Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer, zami Pao Foucault. Si proverbe créole l'a dit, couple pi red, passe wanga. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comme nous connaissons, à soi 6 pour ouvrir 7 février 2021 qui saute passé à la, t'es gagné une tentative coup d'état pour jeter président Jovenel Moïse. Mais moun qui était à la tête ou bien moun qui t'a assumé intérimaire, c'était Dimitri Erard qui c'est responsable USGPN en dedans Palais National. Et non seulement ça, tout non moun qui impliqué dans le dossier, c'est inspectrice générale Gauthier avec yon ancien diplomate américain qui c'est Daniel Whitman. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Dimitri Erard parle. Li baye tout détail sous tentative coup d'état président Jovenel Moïse la. Gagnon paquet de voice qui tape sikile comme nous connaissons. Et non seulement ça tout, yon te arrivé arrêté 23 moun parmi yon gagnon juge la Cour cassation avec inspectrice générale la police la. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon ça, Dimitri Erard rapporte bay louko desi kote le bay tout détail qui jan dossier a te commencé depuis qui le complot a commencé fait pour vin abouti. Et 6 février qui saute passé à la, c'est parti cause petit. Mais comme ou même ou konne nous là pour nous bon tout détail, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a invité ou rale ti chèz ba ou chita confortablement m'pral bon tout tripotay nan ponti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait nous confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou avec patience ou. Merci parce qu'on like ou abonne et puis ou partage vidéo, ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, dégagez-vous, pressez, activez la cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous entraînons directement. Prends ça ou prends temps pour bien comprendre et pour bien entendre qui ça qui t'a passé. Eh bien, comme nous connaissons, un responsable sécurité en dedans par les national, faut que président lui-même gon zanmi tay ensemble avec puisque ou responsable sécurité après mon Dieu. Donc faut très à l'aise ensemble avec moun ça. Si mon gon geste m'a fait m'obliger faire geste ça bien ensemble avec moun nan, puisque c'est lui-même qui a protégé parce que USGPN c'est eux même qui gardien qui a protégé par l'air qui a veillé sous président. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon ça, Dimitri Erard rapporté, li fait qu'on est, c'est pendant le tenant palais national, jour qui était 14 novembre 2020, ça passe. Et puis, li recevoit un appel de Daniel Whitman, ça qui c'est un ancien diplomate ambassade américaine, un ancien diplomate. Et nous songeons que Daniel lui-même n'a si communiqué de presse cité bay, li te déclaré que li te nan job sa depuis en 1999 à 2021. Donc, li gen n'pot 12 ans depuis qu'il quitté job sa, li gen n'pot 20 ans tout depuis qu'il quitté pays d'Haïti et ceci li pas gagné aucun contact avec personne en Haïti. C'est ça que le te déclaré. Donc, en ce sens, pour le moment là, d'après information que Dimitri Erard bay, li déclaré Daniel Whitman fait qu'on est que la travail pour Maison Blanche actuellement là. Kounya, pour qui ça li te rele Dimitri Erard? Eh bien, Whitman te rele Dimitri Erard pour te expliquer la situation sécurité pays ya. Eh bien, comme yon paquet l'autre gros dirigeant dans le monde qu'on habitué rele déjà pour mander la situation sécurité pays ya, donc c'est toujours un plaisir en tant que yon gros technicien dans le domaine li pour l'expliquer, pour le dire, mais ça qui passe, mais qui j'en yon campé, mais tout bagay, c'est comme si gen des bagay secret qu'il pap kabay, mais en gros moun nan capable ba yon information. Par exemple, moun mande yon information de président Jovenel Moïse, ou ap toujours dit président Jovenel Moïse c'est président pays d'Haïti, mais qu'il est monté, mais qu'il est mandat la fini. Et non seulement ça, tout ap capable dit mais côté yo dit rete parce qu'ou ou capable jam gon la kayli et ceci mais nan ki mais qui côté palais ay, mais qui côté le siège, mais qui côté bureau li, ou capable tout petit détail ça. Donc après
Dimitri Era fin bay Daniel Whitman ti dossier sécurité ça, li di merci beaucoup n'a reparlé encore, li pa tande. Deuxième fois que le pral relèl, c'était dans date qui était 20 novembre 2000 dans même année 2020 ça. Songe, li te relèl 14 et kounya li vin relèl 20 novembre. Donc 6 jours après que le vin relèl. Là le vin relèl, li di la metel en contact avec un haïtien en Haïti qui relèl Philippe Mac Andrea. Kounya la, li di pa gen problème pou mete metem en contact ensemble avec. L'elle fin parler avec Philippe Mac Andrea, kounya li commencé soumen, li commencé comprendre de qui ça monsieur yo vle utiliser pour le faire. Et puis Brit Soukou, Mac Andrea ça, Philippe Mac Andrea ça, ça le fait li poser Dimitri question, li mandel qui l'est mandat président Jovenel Moïse a fini. Li di ben bon, moi pas tellement fait politique parce que moi-même c'est domaine et sécurité me gère, moi pas tellement pas entré dans politique. Il dit mon connait l'a fini 7 février 2021. Il dit ah, moi pas connait non puisque moi-même c'est bagaille technique moi gérer, c'est responsable sécurité en dedans par les national. Donc dossier de les mandat en président a commencé. Allez l'a fini, moi pas connait bagaille comme ça. Kounya là, ça le fait. Monsieur ça qui relè Philippe Mac Andrea, dit la metel en contact ensemble avec yon regardé en dedans la police pour yon assumer intérimé. Kounya, li dit non, ou pas besoin de faire ça, non, préféré ou bal numéro et puis la prelem et puis n'a parlé ensemble. Il dit pas de problème. Kounya, c'est même moment, Dimitri Era relè président Jovenel li explique le cause. L'elle fin explique le cause, et puis, yo de a, fin kon cause, yo kassel, yo levon roche ou metel, pou cause a pa parle. Ça veut dire, tout détail qui passe à Dimitri Era ensemble avec Daniel Whitman, ça, plus, et Philippe Mac Andrea, président Jovenel connaît tout détail. Ça qui passe, jou yop avance, mais li po jom kontre avec Madame Gauthier li même kap assure tout bagay yo face à face, puisque yon remet li Madame Gauthier pour assumer reste dossier yo. Ça veut dire, premier moun ki te rele la, c'est Daniel Whitman, qui c'est ancien diplomate américain, qui te nan pays d'Haïti. Deuxième moun li fait parler à c'est Philippe Mac Andrea, et puis à troisième moun li pral parler dans dossier a, c'est avec Madame Gauthier qui c'est inspectrice générale la police là. Comprenez bien. Kounya là, ça passe mesdames, mademoiselles et messieurs. L'elle commence à parler avec madame, immédiatement elle mette président au courant, kounya chaque les madame nan rele, li oblige à enregistrer toute voice pour kembe tout message. L'elle commence à filer dans décembre, Dimitri Era te ge pou ta loue famille Équateur. Cause c'est là toute familier. Ça qui passait, li vin aller Équateur, li pas presque tant de moun yo. Kounya là, janvier pral commencer rentrer et bien yo rerele l'encore pour yo planifier. Et puis kounya yo vini directement ensemble avec dossier yo ap, jou yo ap avancer dossier ap avancer à petit pas, mais côté dossier pral vraiment renforcer, pral vraiment gen force avec feeling là-dedans, c'est fin mois janvier pour entrer dans février. Ça passe mesdames, mademoiselles et messieurs, nous t'es capable remarquer un mandat d'arrestation qui était sur tout internet là que t'as publié, et bien mandat ça là depuis en 2019. Et ceci il signait toute bagaille, et jusqu'à présent président Jovenel Moïse a cherché ak baleine kou flash juge qui t'ai signé mandat ça, yo poko ka joindre. Kounya là, songez bien côté nous de, ça qui passait. Dimitri vient rentrer et puis il vient recevoir appel de monsieur Damio. Yo offril $600,000 américains pour le faire ce travail là. Travail là c'est qui ça? C'est assimé intérimé, bay tout détail en dedans par les national, et puis le jour J et l'a gagné pour le mener un total de 50 US GPN dans Tibois qui Tibois c'est une localité qui exactement derrière ambassade américaine, mais localité ça c'est pas zone n'importe moun rete, c'est moun ki gen si koyo au moins bon ki rete nan ti localité ça qui exactement derrière do ambassade américaine nan tabar. Kounya la, tout les dossiers sa yo a passé, toutes les explications sa yo a bay, toutes les voix sa yo a enregistré à mesdames, mademoiselles et messieurs, président Jovenel Moïse connaît tout li kembe bagay li soukèl. Dernier coup pral touye koukou a,
Nous songeons le président Jovenel Moïse ta allé fort liberté l'Elzal dans l'inauguration de cette place là. L'Elui veut te faire déclaration président ça, nous pas katouyem, nous pas assassinem, ni nous pas exilem, m'apprête là en bas chez nous. C'est pas pour sans raison, non, qu'il faut, ouais, président te font déclaration comme ça. Qui t'a pral souke tout internet là, ou dit qui sa président ça lui même li gagne des têtes li. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, pas jamais la fime sans dit fait, toujours connaît ça. Kounya là, ça qui passait, jouyo pas avancé, février pral attaqué. Kounya, ça qui passait, monsieur Odil pa gen wout pa bois, yo bali tout plan, yo expliqué que yo bali $500,000 américains pour le faire ti travail ça pour yo. Kounya, li estime l'argent trop petit, li toujours bay président Jovenel Moïse tout détail et puis li dit, monsieur Odil m'a ba ou $500,000. Monsieur dit non l'argent a trop petit. Après ça, yo vin relèl, yo offril $4,000,000. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tendez bien, oui. Est-ce qu'on comprend pour l'argent? On moun ka fait n'importe tete, et ça qu'il faut sou ou un moun, malgré offrir l'argent pour le vendre ou le pas vendre, moun sa ou doit garder le grand. Oui, ou doit garder le grand parce que le sauver la vous. Je ne j'ai dit à personne, pas d'abkoné, qui côté président taille. Ça qui passe, Dimitri dit pas de problème, $4,000,000. Et ceci dans voice yo, nous songeons déclaration et Philippe Marc-André a te dit n'a bon en pile l'argent, c'est l'argent qui prend temps pour contrôler. Comprenez bien, c'est pas pour sans raison ouais, en dedans voice que tout détail ça, il faut fouiller, faut bien analyser pour comprendre. Ça qui passé, eh bien, président Jovenel Moïse toujours connaît tout bagay, mais ta gen lobok pété déjà, mais obligé à kembe causer pour que pour moun yo pas dit c'était yat, c'est dit c'est date, nous connait tempérament haïtien. Kounya là, madame Gauthier parlait ensemble avec Dimitri que l'a arrêté président sorti en dedans palais mené bayo dans la coutibois. Nous pas connait ça ou t'a pral favel. Ay nan tibois pas commissariat. Ça qui passe, nous gardons dans la photo, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans la photo image que tu as publié, nous avons bout de manchette, bout de zam, l'argent, ti sache mare, c'est ça yo nous. En pile, mon ap dit, est-ce que ça, ça yo, yo fait coup d'état? Mais faut nous comprendre tout que c'est même sécurité par les nationales qui t'a pris le président Jovenel et c'est eux même tout qui t'a assuré sécurité 25 moun sa yo kap vin installé encore. Est-ce que nous comprenons? Parce que nan aswe la mené 50 USGPN yo monté en l'air. Ça qui passe, pas oublier USGPN yo tout gen zam, donc zam sa yo ap tout servi. À la dernière minute, n'a pas de voice que Dimitri Era lui-même l'a persisté pour que dame n'a voyé mandat Bali, même si c'est pas WhatsApp l'a fait sautil photocopie mandat. Il dit pas de problème, m'a dégagé pour me voyer le pour. Mais depuis bien avant ça, madame Gauthier t'a expliqué Dimitri que mes kay président, mes kay secrétaire d'État, yo t'es déjà monté ti secteur yo ensemble en dedans ti bois mais tout côté chaque l'autre apprêté, tout collé, ça veut dire les ou gen conseil, les ou gen bail, manigancé pour l'autre pas sorti trop loin. Kounya, les nan 6 la journée, ça qui passé, li relé. Est-ce que nous comprenons? Li relé Dimitri li dit, voyez lis non monsieur yo tout USGPN yo pour yo kaba yo manger tout bagay net et pour manger bay nan question food for depot ou gen rapport avec l'église catholique. Tendez bien, oui, ça veut dire dossier vraiment mangomé tout moun impliqué. Ça qui vient passer, eh bien Dimitri déclaré, li di madame nan kon sa, m'pap ka passe avec yo la journée à défiler donc pour éviter spectacle parce que si moun yo wè tout policier USGPN sa yo a défilé et nous connaît depuis policier USGPN d'ailleurs ça veut dire que président quelque part et tout qu'on sale toujours kounya di eh bien tant de nuit pour nous capable mener machine yo aller parce que pour 50 USGPN déplacer saute palais national monter c'est pas mes affaires parce que gros paquet pick-up qui va le prendre route là il dit pas de problème n'a fait ça la nuit kounya là côté dossier à belle madame mademoiselles et messieurs. Yo débarqué vrai, yo entré dans la coutibois. Lè arrivé en dedans, li kontre ensemble avec madame Gauthier qui a parlé ensemble avec. C'était lui-même ensemble avec maître Mario Beauvoir et puis sécurité madame Beauvoir qui était ensemble dans ti marché. Ça qui passé, tout agent USGPN yo descend, mais avant Dimitri aller ensemble avec yo, ça le fait. Li fongeant, li gèt prend tout téléphone policier yo en dedans parler depuis là yo a sorti pour dossier a pas flité pour que opération a pas flité à terme même.
obligé d'apprend tout téléphone monsieur yo. L'elle rive devant, la parler ensemble avec monsieur dans ti réunion. Kounya là, il dévoile monsieur yo cause ya. Ça veut dire à 95% chance opération a passé puisque pour monsieur ta gèt apprend téléphone a écrit. Donc pap ka gen cause comme ça. L'elle rive le parler monsieur. Et puis, li fait madame nan al montre l tout kayonette. Li marche, li monte l kay président, li montre l kay premier ministre nan ki se Mario Beauvoir, li montre l kay secrétaire général la, li montre l kay tout ministionnette yote yon nombre de 25 kay. Mais gon paquet kay nan zon nan, mais li fait montre l tout kay yo pour que yo capable konnen ki yes yo ap mette nan machine pour yo le ap assurer transport pour yo konn ki jan yo ap fè déplacement yo. Ça qui passait, l'elle fin montre le tout kay yo kounya, mais go équipe ti kay ki a aux alentours qui gagne ti policier et crème et bleu ou tout. Ça qui passait, monsieur prend 6 IRGPN devant chaque ti kay sa ou qui gagne policier yo, li mette au campé pour si monsieur ta ap sorti pour éviter détonation parce que des pon cartouche tiré bagay la gade nan men. Mais pendant tout moment ça yo là yo just annoncé des GPNH là li pote ko jam connaît tout détail ça yo puisque dossier arrêté entre lui-même avec président Jovenel Moïse ou dea qui kon causé ça kounya la mesdames mademoiselles et messieurs pendant sécurité madame Gauthier avec maître Mario Beauvoir en dedans machine li toura les amis li dit madame Gauthier vous êtes en cas d'arrestation dame nan dit oh Dimitri pourquoi moi tu fais ça c'est une blague ou pas qu'est-ce que tu fais là mais non oh mon dieu ouh fia pipi sou li automatique et puis tout mette la tête yo minotel ça c'est youn kounya la devant chaque petit caillou yo te mette tout IGPN yo campé ça passe yo commencé ouvert kay prend moun mare met couchate ouvert kay prend moun mare met couchate kounya la les met Beauvoir Mario ensemble avec sécurité ya ouais ça ka passe ya mais si yo volé babelé ya yo couri kounya la ap jambe babelé ya met Beauvoir li même blessé encore mais Dimitri te ka les amis il tire l'an pied il prend ou bien il te ka font soldat tire prend mais yo pa vle pour gè détonation pour que soldat qui en dedans cap surveiller bâtiment pas bien toujours gè sécurité cap fait poste bob et ambassade américaine pour éviter détonation il dit monsieur met quitter des grains ça y aller m'rezié m'perdi des grains ça kounya la mesdames mademoiselles et messieurs kon kote bagay la belle yo prend mari yo prend madame yo prend sè ça veut dire yo prend sè madame Gauthier yo prend mari et non seulement ça tout yo prend un paquet l'autre qui lié ensemble avec encore ça et moun sa nou te wèk te couche à terre pas oublier les al faire opération tout moun sa ou te geta monter cabane yo couché yo abdomi parce que l'ou garde petit grand moun et ka avec comment bay sa ri encore pyjama sou yo di oh ça yo mes amis et pourtant apparence trompe me di nou et pourtant moun sa ou c'est des gros avocats qui t'a pral ministre nan demain matin ça qui passe mesdames mademoiselles et messieurs kounya les yo contrôlé yo wè gagné 19 moun à terre pas oublier yo perdi deux grains moun déjà yo wè gagné 19 moun qui couché à terre et dame nan te dit yo té un nombre de 25 moun la vinn chercher tout moun sa yo pou mener en dedans palais national et pas oublier pour que yo entre ensemble avec yo pas oublier c'est agent USGPN qui vini ensemble avec yo pas gen personne qui a posé question yo est déjà yo te gen planifié a bon cadre d'accès donc président pas ka poser aucune question pour demander qui moun sa yo parce que c'est agent USGPN qui vini ensemble avec yo est-ce que nous wè ki jan complot a monter selon Dimitri Era c'est ça l'expliquer konya la mesdames mademoiselles et messieurs les que yo contrôler yo wè manke wa moun sak passé les gen yon soldat bri ki te campé devant yon ti kay et puis senti gon mouvement k'ap fèt an dan kay la gen moun k'ap bouje an dan ti kay sa et lè sa Dimitri li del vin frape yo di li sonje madame Gauthier te dil c'est là que président li même lié il dit OK kounya la lè sa li rale téléphone ni li rele de GPNH ta ki se Léon Charles et puis c'est lè sa tout Léon Charles li même pral fè appel ensemble avec DCPJ Le Léon Charles vini, kounya la, mesdames, mademoiselles et messieurs, pou yote arrive ouvert porte la entre, se pat yon bagay ki facile puisque mou yon ferme tete yon dan, ou pa kapote fal ou ale kon sa ou pa kont ki sa ou gen nan men yo. Gen yon gaz la police gen yen ki rele C3. Gaz sa, se pa bagay ko ka resiste. Depi yo la gen yon kote se tout kouri bay le ya. Ou kon wè ti gaz yo la gen chan masyo sa yo poko jam ni. Li pem li pi fo pase se C3 li. El pete 3 fois.
avec tout temps nos premiers éclatements, un deuxième, un troisième, c'est comme ça. Eh bien, la police fin retire gouila qui en l'air et puis on la gueule en dedans. Là on fin la gueule ça en dedans, mesdames, mademoiselles et messieurs. Après 5 minutes, yo contrôlé qui des nèg qui sorti en dedans. Des monsieur ça au sorti tout soir et puis la police tout fait bap piam sou yo, li prend yo, li mette yo couché. Kounya c'est pas dans le mettre au coucher à terre, monsieur pense opération a fini et puis gagne un nada qui dit "Ouai, président gagne la mouri en dedans." Kounya là c'est là ça Dimitri dit "Qui président?" Li dit "Juge d'a Brésil, li en dedans, président en dedans, li gagne la mouri." Il dit "Ah, oh, président en dedans, pas de problème." Kounya le prend monsieur, li dit "Wap entrer pour aller chercher." Kounya monsieur pas veut aller, il ra les armes sous lui, il dit "Soit la vie ou la mort, wap entre en dedans pour que ou aller chercher monsieur." Eh bien c'est ça dans rapport à nous songer les gens ça t'a publié sur réseaux sociaux côté au déclaré que t'es râlé les armes t'a petit t'a fait mon menace que t'a tiré. Kounya là mesdames mademoiselles et messieurs pendant tout temps discussion ça a passé monsieur a contrôlé minute pas bien la police a fait opération yo contrôlé qui va les minutes les ont commencé les ont débarqué toutes les ont déplacé toute bagaille net de quoi pour capable garder durée de temps. Distance pour nèg la fin faire discussion à terre pour monsieur décider entrer dedans aller chercher juge d'a Brésil 45 minutes qui t'a passé l'elle rive dedans li prend juge là li sorti ensemble avec l'elle a sorti avec juge là c'est pas moun qui potel ni tout c'est pas moun qui kembe mel juge là sorti sous deux pieds militaires j'en nous t'a regardé photo à la petit pantalon souli avec chemise à carole et bien laisse au tout dit le coucher elle l'a sorti à s'il vous plaît li sorti avec tout papier discours nan mel et bien c'est là on mette le coucher à terre yo a fouillé yo joue un petit code yo joue un petit sachet marre ti ceci ti cela donc monsieur c'était un maçon loge il était chance résister avec gaz ça bien que nous pas dit c'est magie qui fait ça mais il était gros pourcentage chance résister donc s'il était capable résister comme ça s'il était pour disparaître dans la fumée il était capable de disparaître tout mais comme on connaît diable vend nous prend mais il pas voyer aller jambe dit fait. Donc en ce sens, monsieur était tout retel gnel pas de ca voler puis tout mettait main sous juge là. Kounya ça qui passait mesdames mademoiselles et messieurs, la juge l'a sorti, juge l'a sorti, c'est comme si rien n'était. Et ceci l'a monté gorge, l'a dit c'est juge tel, c'est ceci ceci là. Mais sous tes qu'on monte juge, il y a des dossiers pas supposé rentrer là-dedans, faut comme ça. Donc l'on besoin un petit proverbe créole qui dit pour une raison devant crasse fok ou bé. En ce sens, sou te besoin de raison devant tout moun sa yo, gen de dossier même si c'est pour l'argent ou pas de supposé rentrer là-dedans. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le ça, DCPJ pour aller ramasser tout moun sa yo, descendre avec yo, et Claircine pour yon ba explication de ça qui passe. Mais, goma gay pour nous prêter attention tout, nous connaît dossier voice message, la justice à l'op pays d'Haïti, pas reconnaître li à cause li pas écrit dans constitution. Donc, en ce sens, Dimitri dit, allez avec voice sa yo, avec message là, ça pas signifie rien. Li commence fouiller bâtiment yo pour voir s'il pas joué un document. Et mais c'est nan fouiller, li pral tomber sous document, qui est tout budget yo, et non seulement ça tout, rapport, et qui laisse ça entrer en fonction, qui est-ce qui pral dans tel poste, tout bagay net écrit. Et ça qui t'a pral fait le frustré, si quel te tente de cob 4 millions de dollars avec ça ou t'a pral bali ya, eh bien, li te capable regrette, elle te ka mourir mal tout, mais bon chance pour li pas trouvé cob là. Li te met tête li sous épaule li patre comme la li te wè protéger président pito et bien c'est la li dans document mesdames mademoiselles et messieurs li wè dans document côté o meté et Dimitri Era qui ça n'a favel yo traité de tête boulée c'est ça qui t'a pral bali en pile problème qui t'a fait frustré et ceci tout qui t'a fait pas regrette qu'elle t'ait fait action ça. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, fonction pas inspectrice générale là, madame Gauthier lui-même, il t'a pral rempli, c'est que le tap vin DG la police, c'est job sal tapie dans gouvernement de transition. Eh bien, mes ayants, mes causés, sous le président lui-même, t'es déjà fait toute déclaration ça, non, fort liberté, c'est parce que li te wè gon machwè on pral chavire li te wè tout détail et ceci il te connaît tout bagay li te konn plan ki jan tout bagay t'a passé donc ouè malgré ça nan dimanche matin ou saisi ou alors rive sou champ mas ou pa tande yon katouche pété tout bagay frèt c'est comme si rien n'était la ria blanche la police seulement ouais.
Mais faut nous poser tête nous question pour demander pour qui ça c'est comme ça ça arrive. Mais nous-mêmes n'a continuer fouiller zone en Kalalou pour chercher pour vous puisque li important pour connaître tout détail des gens situation ça a déroulé en dedans pays d'Haïti. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit connait tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là capable avancer Zami Pao Foucault. Madame Monsieur, bonsoir, ici Jacqueline Bélisère depuis studio 18 la voix de l'Amérique en Washington. Jeudi à c'est mercredi 10 février 2021 nous comptons une autre fois encore avec un focus sur nouveau développement dans pays d'Haïti. D'abord nous parlons la capitale la Port-au-Prince. Jeudi mercredi 10 février 2021, mais t'as une manifestation avec marche contre ça y aurait les contre la dictature et la police a utilisé gaz lacrymogène pour te gayer manifestants. Manifestants ont demandé départ président Jovenel Moïse et ont dit ont levé la voix contre la dictature. Et dans un moment ça tout, il y a un journaliste qui victime. Ça t'est fait quelques jours de ça côté que des deux journalistes qui étaient victimes. Je dis encore, yo victime et ont porté plainte devant la police. Entendez-vous? Nous discutons ensemble avec DDO, nous exposons la situation et nous présentons plusieurs cas côté que les journalistes sont même victimes en bas policiers. Donc ça lui-même liba nous comme garantie, c'est que libéral porté toute doléance ça devant et au commandement de la police là pour yo analyser pour yo capable mener enquête sur ça qui passé et mener enquête tout sous backup qui fait des gars pour connaître qui décision que yo pral prendre. Mais nous-mêmes, au niveau journaliste, nous-mêmes, c'est nous qui connaissons qui ça nous va décider, Kounia. Parce que je pense que la première action, l'État est supposé porter plainte, que ce soit au niveau parquet ou bien dans l'inspection générale, parce que ça qui passe aujourd'hui est inacceptable. Ils sont pas ensemble avec nous. Mais pas dire qu'il n'y a pas aucune décision dans le moment ça là. Mais nous-mêmes, comme journalistes, nous avons pour devoir pour nous dénoncer M. Vladimir Chérubin. C'est lui-même qui est débarqué en personne qui tire gaz dans la machine Radio Télépacifique. Maintenant, nous allons porter plainte contre Vladimir Chérubin, soit dans le paquet ou bien dans l'inspection générale. Ça, pas à sortir de là, nous identifier moun qui chef répression, c'est Vladimir Chérubin, nous prenons le porte plainte contre Vladimir Chérubin. Alors, on pense que, dans le moment ça là, et pas. Non, je dis à la, c'est tout journaliste qui est dans la rue victime. Parce que, nèg yo, yo, et anti-policiers, yo, décidé, yo, visé journaliste. Le problème aussi avec journaliste, nous pas identifier. Mais, pendant que nous venons là, il y a Johnny, qui travaille pour Radio TV Kajou, lui-même qui est victime, il y a l'autre demoiselle. Et qui victime encore, il y a Jelano, chéri, qui travaille pour AP, lui-même qui victime en bas de rouge à lui. Tout le monde, il y a Floris et Floris Johnny. Donc, c'était un groupe journaliste qui a même dénoncé sa victime en bas. Mais la police nous était personnellement et s'est contacté et porte-parole police nationale, là, Gary Desrosiers, mais en vain. Mais il y a plusieurs réactions sur la situation. Ça. D'abord, il y a AJH qui constate que depuis quelques jours, il y a plusieurs journalistes qui sont victimes en bas de la police. Il y a Eddie Jackson Alexis qui est secrétaire d'État communication. Lui-même, lui demandé journalistes, il demande PNH pour gagner plus prévoyance, pendant que le demande journalistes eux-mêmes pour gagner plus prudence. Et nous prenons le tableau de contact avec le correspondant de Port-au-Prince, Massado Vilmé. Massado Soka ajouté, puis plus pour nous, dans. Et ça qui arrive, journaliste, aujourd'hui.
Eh bien, Jacqueline Bélizière, ça qui arrive, journaliste, c'est, il fait suite avec le mouvement, et ton côté déjà annoncé, les manifestations ou bien marches pacifiques qui t'a déroulé dans la capitale là, contre ça, mouniore le dictatif, contre le pouvoir en place là. Eh bien, c'est pas la suite, et journaliste, il a fini par remarquer que les policiers eux-mêmes, ça a réagi contre eux, côté qu'à chaque fois, ils ont abrité une façon ou une autre. Les policiers n'ont pas imposé, pas qu'ils lancent le gaz lacrymogène sur eux. Et là, ils sont venus vers un côté qui, pour contre eux-mêmes, ils ont que c'est eux-mêmes vraiment que les policiers ont ciblé. Ils étaient obligés de sortir depuis en bas de la rue, pour les gens qui ne connaissent pas Port-au-Prince très bien, pour qu'ils viennent bout devant la direction départementale ouest là, pour qu'ils viennent dénoncer ça qui passe là. Eh bien, nous avons descendu et groupe journaliste, eh bien, les policiers eux-mêmes participent avec Zaksa, côté Guyen, et deux journalistes, nous capables de trois, il y a un journaliste femme qui c'est Medjine Joseph, lui-même tout, qui était venu perdre connaissance au bagage lacrymogène, il y a un journaliste qui a travaillé pour l'association presse, qui victime tout, ensemble avec Johnny Fizeme, qui a travaillé pour Radio Télécajou, qui perdit deux autres dans pied lit après que les policiers eux-mêmes ont fait le gaz lacrymogène et sous pied. Pour qu'on y a, je vous dis, il y a plusieurs réactions qui tombaient. AJH a dénoncé le comportement policier. Il y a tout le secrétaire d'État en communication et gouvernement, Jules Moïse, qui dénonçait le comportement ça. Mais comme nous disons, Jacques Lebelizer, c'est déjà six journalistes environ qui victimes pour. C'est déjà six journalistes environ qui déjà victimes dans le dernier mouvement de protestation qui a fait contre le pouvoir en place là. Et comme nous disons, jusqu'à présent, Guéien et confrère qui a travaillé au niveau radio télépamnan, lui-même tout, qui jusqu'à présent, l'hôpital, il faut qu'on soit capable d'exercer, puisque lui doit. Subi une deuxième opération Jacques Lebelizer. Et Massado, rapidement, dis-nous qui j'en marche là et passé jeudi, parce que tu as une marche et dans le cadre de marche, ça, tu as un problème journaliste. Bah non, idée sous marche là, rapidement. C'est un marche qui t'est démarré sous l'obédience des étudiants qui différents étudiants qui ont faculté l'État haïtien, qui t'est démarré devant l'ethnologie, eh bien, parcouru plusieurs rues dans la capitale là. Eh bien, nous n'avons pas vraiment atteint avec objectif, puisque à quelques minutes, c'est marche ça, lui-même, il a démarré pacifiquement. Force de l'ordre, lui-même, était déjà lancé gaz lacrymogène. Et ça qui peut vraiment permettre et manifestants eux-mêmes ou bien et aboutir ensemble avec et destination, puisque ils étaient doués et viennent toutes devant OPC. Merci, Massado Villemé. Massado Villemé, c'est correspondant à nous. Non, Port-au-Prince, qui t'a parlé de match qui fait jeudi à qui pas totalement abouti parce que la police a utilisé gaz lacrymogène pour te disperser manifestants. Yo. Et puis tout, t'es gagné et journaliste qui victime, t'as qu'on nous dit, il y a pile réaction qui tombait et nous t'es essayé nous-mêmes personnellement rentrer en contact avec les responsables au commandement police nationale là et mais en vain n'a pas continué. Ou sous la voix de l'Amérique, n'a pas mis depuis Washington DC. On va suivre rendez-vous info, actualité à toujours dans le pays d'Haïti, spécialiste dans la question droit. Continuez à questionner l'égalité, arrestation, juge, cour de cassation. Ivikel d'Abrésil a question flagrant délit dans sa autorité présentée comme une tentative coup d'État. Et pendant ce temps, Maître André Michel dit mobilisation pour continuer pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir pendant la rappelé que chef l'État pas gain provision constitutionnelle pour mettre trois juges cour de cassation à la retraite. Décision Jovenel Moïse prend pour mettre trois juges à la retraite. Sont décision totalement illégale. La loi régissant la matière est claire, les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. C'est-à-dire, ils n'ont pas qu'à destituer comme ça, ils n'ont pas qu'à remplacer, ils n'ont pas qu'à suspendre, ils n'ont pas qu'à déplacer. C'est une décision totalement illégale, cette décision est nulle et nous rejetons totalement cette décision. Parce que non conforme aux lois de la République. Mécène Jean-Louis, Joseph Mécène Jean-Louis, c'est un magistrat de carrière, c'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, qui a constaté la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, après concertation, l'opposition plurielle et la société civile ont choisi Joseph Mécène Jean-Louis, qui pouvait jouer le rôle président provisoire pendant cette transition. Maintenant, je dis à Jovenel Moïse Kembe pouvoir, sont rebelles à la loi, mais son mandat a pris fin
depuis 7 février 2021 et il faut continuer la mobilisation sur le terrain pour nous forcer monsieur quitter Palais National pour nous capable installer Joseph Messène Jean-Louis comme président provisoire de la République. Mais en clair, est-ce que nous ouais démarche opposition bien avenue puisque toute activité côté n'a pas là commencer normalement. Le banque commerce a ouvert, le secteur transport a fonctionné, il a pris le plus dans la rue, parce que nous avons bloqué depuis 7 février, si vous n'avez pas quitté le pouvoir, il a bloqué. Donc, nous n'avons pas ça à constater. Est-ce que des matchs sont venus, nous pensons qu'il n'a pas abouti à un bagage quand même ? Elle ne veut rien dire. Parce qu'on connaît les gens dans le pays, même si c'est tout le monde, et les supports, et les États-Unis. Mais tu sais aussi que la tête de M. Moïse ne fonctionne pas. Bon. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que aujourd'hui, Jovenel Moïse n'a plus de mandat constitutionnel comme président de la République. C'est quelqu'un qui a choisi de s'accrocher au pouvoir en dehors de la Constitution. À partir de ce moment, la mobilisation étant permanente, la mobilisation étant l'arme de combat de tous les démocrates, la mobilisation doit se poursuivre pour pouvoir contraindre M. Moïse à quitter le pouvoir et installer dans ses fonctions le juge Joseph Messène Jean-Louis. C'est une dynamique ça a noué. Et aujourd'hui, on est capable de constater que tous les secteurs de la vie nationale se sont déjà prononcés sur cette affaire. Les carottes sont cuites au Jovenel Moïse. C'est manger, la population ne peut pas manger carottes là seulement. Il y a un gars des côtés Joseph Messène Jean-Louis. Je vous dis, parce que vous avez dit, monsieur, tout ce qui est dans la manifestation, qui a fait depuis la manifestation, il y a une photo, monsieur, mais voilà, pas de monsieur. Bon, il est là, sûrement il est en lieu sûr, il est en sécurité. Pas oublier, mais justice de facto a été dit, il faut arrêter, il y a une bonne pression qu'a faite sur la famille. Mais ça me vient comme information, c'est qu'il est là et il se porte bien. Maître André Michel, c'est porte-parole opposition politique là dans le pays d'Haïti, lui mandé pour libération juge cour de cassation Maître Ivikel d'Abrésil. Il a été arrêté 7 février pour sa gouvernement présenté comme une tentative coup d'État ou sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Et oui, toujours dans le cadre des débats sur arrestation juge coup de cassation, tentative coup d'État et mise à la retraite trois juges coup de cassation. Nous t'ai parlé tout avec Maître Gédéon Jean, qui est directeur exécutif Centre Analyse et Recherche dans la question droit monde cadre. Rapidement, m'a dit que c'est une arrestation qui est arbitraire. Arbitraire en ce sens que l'arrestation n'est pas conforme au droit. Parce que la parole d'un juge de la Cour de cassation. C'est comme si nous avons parlé d'un juge de la Cour suprême aux États-Unis. Donc, jugeant lui-même, les jouit de son privilège de juridiction. Ça veut dire qu'il n'est pas justiciable par devant les tribunaux de droit commun. Donc, lorsque juge Cour de cassation, les commet une forfaiture, ça veut dire que lui fait une faute qui est là, lorsque la exerce des fonctions de juge et qu'il viole la loi, il passe par devant la haute cour de justice. Mais il y a une procédure. Donc, il y a une procédure par devant une juridiction spéciale qui pour constater la forfaiture, hein, et puis qui pour faire une procédure qui apprend une décision, mais après la décision, il y a décidé le juge là, laisse la passer par devant la haute cour de justice. En deuxième hypothèse, s'il s'agit d'une faute disciplinaire, ça, là, son assemblée au niveau de la Cour de cassation capable réunie pour prendre une décision disciplinaire. Maintenant, aller là, tu as un juge à 2h59 du matin, un commando qui a mené par le responsable de l'USGPN, c'est-à-dire l'unité qui est chargée pour sécuriser le président, en présence du directeur général de la PNH, en présence du commissaire du gouvernement de la Cour des Bouquets, en présence du ministère de la Justice. Eh bien, ça, sont actes arbitraires, c'est-à-dire qui non conforme au droit. Nulle part, on ne peut pas autoriser à arrêter. Lors même que tu as des informations sûres et concordantes que tu as rentré dans un complot contre la sûreté intérieure de l'État,
L'État, c'est pas content. Pas capable de tricoter les abdomen pour arrêter la condition ça. Donc, il y a un processus spécial en ce qui concerne les juges de manière générale et en particulier ceux de la Cour de cassation. Mais Gédéon, il y a la notion de flagrance là. Et y a, parce que le gouvernement parlait de. Il prend un juge en flagrant délit. Lui-même, il perdit tout bénéfice qu'on s'est parlé là. Ok, maintenant, flagrant ça, qui est-ce qui confirme flagrant? Parce que les informations sont là, puisque nous-mêmes, au niveau du centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, nous faisons partie des premières délégations qui allouent au juge là, accompagnées des associations, des trois associations de magistrats, et avec M. Morin, avec M. Dumé, avec M. Juge Morin, Juge Dumé, Juge Martel, donc on jusqu'à dormir la caisse. Et que on rentre à 2h du matin, par exemple, quand vous crasez, brisez, ou bal gaz lacrymogène. Infraction, est-ce que vous commencez à exécuter votre plan? Et la flagrance, c'est lorsque le monde la met dans le sac flagrant, où le monde a consommé à clas, la posé à clas. Chaque flagrant délit à un droit. Mon a fait action. Maître Gédéon Jean, c'est directeur exécutif et cadre. Nous allons rejoindre rapidement Sandra Lemaire, journaliste Sandra Lemaire, qui en général qu'on y a poté pour nos réactions en Haïti et à l'étranger. Sandra, d'abord, l'ambassade américaine en Haïti qui réagit sous crise pays d'Haïti, surtout sous trois juges à la retraite. C'est ça, Jacqueline. Donc, tu me dis ça et l'ambassade américaine a dit, mais déclaration là. Nous te voyons arrêté qui était publié dans fin journée 8 février a qui était bail trois juges cour cassation en retraite sur. Nous gain gros inquiétude sur action qui risquait déranger institution démocratique qui dans pays d'Haïti. Pour connait a instance internationale yo a examiné arrêté si là pour yo connait est-ce que li conforme avec constitution hein, ensemble avec loi haïtienne yo. Pendant temps ça tout acteur politique yo ta doué concentré yo pour yo rebaille peuple haïtien en droit li gagnen pour li choisir législateur li yo à travers élection législative et qui déjà en retard depuis ça techniquement possible et puis à travers organisation élection présidentielle tout de suite après. Donc ça c'est déclaration ambassade américaine. N'importe quoi, Prince. Est-ce que vous avez une autre réaction encore? Moi, j'ai une réaction et moi, j'ai contacté le comité pour protection journaliste pour ce qui s'est passé en Haïti, côté journaliste qui était attaqué. Malheureusement, il n'y a pas de monde disponible pour nous interview avant que nous ayons passé en onde avec après-midi. Mais une déclaration que vous voyez, bon, moi, que vous publiez aujourd'hui, hein, sous situation journaliste haïtien yo en Haïti. Yo di konsa ke autorité haïtienne yo ta dwe menen bon jan enquête sou incident côté journaliste Alvarez Destiné avec Meyus Jean-Ril blessé par balle. Identifier responsable yo, menen yo devant la justice et commenter sa fait jodi a. Yo di ke yo au courant, y a suivre de près sa ka passé en Haïti. Nous, m'a des commentaires et reporter sans frontières tout et nous m'a des commentaires pour recevoir. OK, merci. On l'autre bagaille, Jacqueline, si vous avez temps pour me dire que moi saute après. 15 secondes. Et OK, ambassadeur haïtien Bokchi Edmond et pour aller rencontrer avec journaliste qui a couvert département d'État demain en matin pour lui expliquer yo situation en Haïti. Donc, on fait que ça t'apprend ça. Donc, m'a dit nous ça. Et n'a fait au connaît demain qui ça lui dit. OK, merci Sandra. Sandra Lemaire, tu es parlé avec nous depuis Silver Spring et Amélie. On va rejoindre Jean-Aubert Philippe et rapidement. Jean-Aubert Philippe, dis-nous ça qui a passé dans le Congrès, dans l'occasion et deuxième impeachment ou bien procès contre ancien président. Eh bien, bon, Jacqueline a dit que c'est deuxième journée pour CA. D'abord, que les démocrates avec les républicains ont entendu que pour CA, les constitutionnels. Et son procès qui a déroulé en bas, gros mais de sécurité dans le Congrès. Nous connaissons ce qui est passé le 6 janvier passé. Eh bien, les démocrates, aujourd'hui, ont présenté carré devant le jury, donc les sénateurs,
pour montrer exactement que je voulais prouver que président, ancien président Donald Trump, que le coupable, alors que avocat cap défend le président lui-même, il dit que son motivation ou bien procès ça, il est plus gain implication, mais il est plus gain intention politique ou bien plus motivation politique seulement à chercher pour être sur capable déraciner président Donald Trump dans le système politique pays. Donc Jean-Robert, combien de temps ça prend pour procès ça rapidement? Donc son procès à côté chaque parti a gagné 16 ans, donc deux jours chaque parti a gagné pour présenter dossier et ça va finir jusqu'à dimanche. Donc nous avons dit à partir de jeudi jusqu'à dimanche, partir ça fait 5 jours. Me ramasser paquet moi. Cause habitant pas miser la ville. On praler. Mais m'a quitté na bra papa bonji parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. N'a croiser dans l'autre vidéo. Au revoir.